Je suis venu t'informer, quel que soit le gouvernement, nous allons à une transition. Vu que Kabila a comme esprit. Comment ça? Vous voyez que Kabila a comme esprit, raison pour laquelle tu remarqueras, Kabila a la facilité de gérer tous ces mondes-là. Quand tu entres dans le monde des esprits, c'est là où tu comprendras beaucoup de choses. Comment se fait-il quelqu'un qui n'est pas en fonction, qui n'a pas le pouvoir, visiblement, mais qui a la gestion de tout le monde, à l'exception des personnes? Ça veut dire qu'il y a un mystère, parce qu'il y a des mystérieux qui doivent exister. C'est les spirituels qui dominent les physiques. Or aujourd'hui, spirituellement, Kabila c'est un gourou. Et c'est Kabila qui gère tout. Donc il y en a 1+4. Kangaka a date à l'élo. Donc composition et un gouvernement. Kabila, pas aux hommes, hein? Kabila spirituellement, même physiquement, Azaïsou n'a agrément aux hommes à pouvoir. Rien ne se fera en République démocratique du Congo sans la bénédiction des États-Unis, la France et la Belgique. C'est une question qu'il faut poser au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi de Fatch. Tout ce que l'on a, mon dame. Oh! On se l'a déjà dit, c'est tout 6. Ah, il y a des gens qui ont un gros bon mangue. Là, on a des gens qui ont un tata yomo. Vous n'avez pas épistolé pistolet? Eh! Là, on a des gens qui ont un tis. Par contre, l'indication, ils attendent. Oh! Ce que j'ai mis à la bloc à ma bête? Yalo, oui. Dans ce salon à 4, l'on a un gars. Au Luka qui a un gros. Au 6. T'as pas ta poste logique. Tu vois, il y a podium. Allez, qui si? Non, non, pas quand on a un peu de temps, on a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Ah, solution de Jésus, Amat. Solution Yangoui. Maxi Bio Café, on a une ressource. Maxi Bio Café, ils ont salé ma cambo et belé dans notre yamoto. Fongo la mémoire. C'est notre traité, faiblesse sexuelle, hémorroïde. Ok, les hommes préfèrent, solution la soirée. Tomate Napoléon. Mon 600. Bon, au cocaté. Ton nom, t'as le couteau. Mais il est pété. Maxi Bio Café. La zone caca moine. Maxi Bio Café. Et Bongi Sigi Balananga. Rien à dire. Podium Napoléon. Tome la carne bino yango. Force mbetu. Danger. Maxi Bio, café original. Café original. Bandeko tome la yango bona santé na biso. Abonnez-vous massivement à Wande Source, à Kitap dans le terrain, à récolter l'information. Il y a vrai, s'il vous plaît. Donc Total Africa Info, Info Afrique Bimaka. Info Afrique Bimaka. Bana Din, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité à Semoko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende! X-Bass, Maranura, Franck Semaï. Voilà, fidèles internautes d'Africa Info, l'honneur est pour nous de vous savoir nombreux devant vos machines, vous qui suivez votre émission Politique Info avec votre humble serviteur, la personne de Steve Kambanga. L'actualité est tellement grande, aujourd'hui nous recevons pour vous Timothée Lenoir. Timothée Lenoir revient encore sur ce plateau parce que nous vous l'avions dit qu'à chaque fois qu'il y aura l'actualité, il est permanent, il va devoir quand même accepter de répondre et puis d'éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale. Timothée Lenoir, bonjour. Bonjour Steve, merci, je suis très flatté pour l'invitation. Donc je suis très flatté, entièrement à ta disposition. On s'est raté 2-3 fois, trop de contraintes et tout, mais bon, au nom du respect, de la considération, tout ça, pour nos internautes. Parce que, avec ta permission, je rappelle encore que ce que j'ai fait, je ne suis pas un donneur de leçons. Je vais tout simplement sauver les meubles. Et au fur et à mesure, Dieu fait grâce, les gens commencent réellement à comprendre qui est Timothée Lenoir et comment je fonctionne. Et il y a beaucoup plus d'appréciation maintenant, beaucoup plus
des bons conseils, mais les remarques peuvent être boya en route. Donc merci pour le site Nabiso. Africa Info, abonnez-vous. Là, nous avons annoncé, abonnez-vous à Africa Info. Parce que la petite bango target il y a mois d'août. Ceux qui ont 500 abonnés, Baba Gisami, la commune administrateur na Africa News. Donc, vous abonnez bien, nous avons un administrateur. Voilà. Ok, tu m'as dit le nom, merci. Lélo, tu es belé, car il est au moment où tu es au lobo, tu es au. Les gens qui disent Timothée Lenoir dans les commentaires, dans les appels, que Timothée Lenoir a l'ingra colobé la boye moi mingi. Timothée Lenoir veut se faire passer pour quelqu'un qui s'y connaît, il connaît trop. Timothée Lenoir, c'est comme s'il est la seule personne habilitée. Il a qu'à changer pays, un peu orgueillé, tu me sens dans ses propos. C'est quoi Timothée? Steve, tu sais, toi tu me fréquentes, on se fréquente. Excuse-moi devant la caméra, j'ai dit. Tu es mon jeune frère, mais aujourd'hui on vit comme des amis, c'est la famille, on se soutient avec nos faibles moyens. Ça veut dire que je ne suis pas spécial, mais je me suis taillé un chemin et j'ai droit à un respect, total d'ailleurs. Et c'est créé, c'est taillé sur mesure, c'est créé un chemin dans la RDC et la facilité. Je ne suis pas spécial, je connais mes erreurs, je connais mes bêtises, raison pour laquelle à chaque fois quand je suis limité, je fais recours à l'Éternel. Parce qu'il n'y a que Dieu, excellence dans la sagesse et dans la maturité et tout. Mais une chose est sûre, j'ai beaucoup grandi et je ne suis pas parfait. Mais la répétarello, Moro Steve, si tu as une bonne mémoire, je suis dans les plans de Dieu pour la RDC. Okay. Steve, Canada Talelo, devant caméra, le 2 août 2019, je serai cette année. Je serai parmi les gens qui vont jouer un rôle super important. Qu'est-ce qu'on en sait? Tamsungam n'a changé RDC. Qu'est-ce qu'on en sait? Pourquoi pas? Parce que Nzamba avait état d'esprit. Tu sais, Steve, ma force, parce que na moniara combat politique n'a raté. J'ai de bonnes relations avec beaucoup de gens. Tout comme dans le pouvoir, tout comme dans l'opposition. Les affinités avec Richard Mouyej. Richard Mouyej, pour moi, c'est un père. Richard Mouyej, sans commentaire, sans flatter. C'est pas monnaie, élite. Non, pas du tout. Je suis tout simplement analyste politique. Quand on l'accuse d'être parmi les gens qui ont tué les Congos, il est père de l'opération Likofi en étant ministre de l'Intérieur dans les années 2013. Aujourd'hui, Richard Mouyej devient un saint-père chez Timothée Lenoir qui veut changer la RDC. Je n'ai jamais dit que Richard Mouyej était un saint-père. J'ai tout simplement constaté que même dans la gestion, personne n'est parfait. Tu sais, sur Terre, quand tu deviens parfait, ça veut dire que tu n'as plus besoin de l'Éternel. Richard Mouyej, je ne suis pas un commandeur d'emploi. Naza Moutama Toloté, Richard Mouyej m'a accepté. Il a attendu parler de moi, a découvert ma qualité Nangaï. Il a dit, mon fils, pardon, mon fils, je vais travailler avec toi. Pour ton information, j'ai beaucoup de bonnes relations avec Adam Bombolé. On peut tout dire d'Adam Bombolé et Intolé, un homme d'affaires respecté et respectable qui est dans la politique. Adam Bombolé, c'est un père pour moi. On peut tout dire. Lambert Matoukou, l'actuel ministre d'État. L'actuel ministre d'État en charge du travail, Lambert Matoukou, il m'a dit, mon fils, je t'apprécie beaucoup. J'ai eu le temps de te découvrir. Si au moins, on a découvert qu'avant, on allait faire beaucoup de choses. Yemoga Ibsinga, tu peux me considérer comme un père. Parce que ma gloire à Kabemba, j'ai soutenu ma gloire à Kabemba comme candidat gouverneur. Ça n'a rien à voir de la manière dont je m'attaque à Gentini. Si je m'attaque à Gentini, ce n'est pas individuellement. Mais je m'attaque à la politique et à la gestion mauvaise de Gentini. Parce que je vous rassure que Gentini Ngobile étant gouverneur de Kinshasa, il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas par où commencer. Mais j'ai eu à travailler avec ma gloire à Kabemba, qui d'office est fils de Kimbuta. Donc Kimbuta m'a rendu la vie très difficile une certaine période. Mais au travers combat au Kimbuta, Memelanga, il y a un salanga célèbre Timothée Lenoir. Et ça m'a permis de mûrir. Naza spécialité, naza orgueilleté, mais j'ai mon respect. Na côte ça n'importe qui na carré na ngaté. Félix Oise quoi dit un jour, richesse ça va congolais zélo mogo. Et bezanin. Kimuta amabe. Je n'ai pas des millions, j'ai le peu que j'ai. Je préfère encore mutunde Steve Toyebani dans nos faibles moyens. Yo po benga nga ya ndeko le noir oza président ya to melanga pe Steve oza ya to li ataka mundele na banda. C'est encore ça. Nazan va éviter à Pullman, à fleuve Congo, na quota intercontinental, sera Mindele. Bah tu vas au quota où l'élo Pullman. Pullman. C'est un inter. Na na quota intercontinental. Na quota Okapi. Toi qui nages na piscine y a Okapi. Pendant que nous nageons na piscine na Okapi, faut zaga ta sentir à mon bout. Ça veut dire que je suis pas parfait. J'ai été bien élevé, Steve. Steve, mes parents la Bissau, ils ont bâti un grand travail en nous. Un petit conseil devant caméra. Ne permets jamais dans ta vie, mouta écrasé, mouta piétiné, mouta mono moindre,
parce que c'est pas pour te flatter au leke belé. Songa la leke belé c'est que pour leke belé. Voilà. Mais le mal des Congolais, quel que soit le diplôme que tu peux avoir, on va te prendre pour un rien. C'est ça. Tu montes les noms, on comprend. Olodelo Omoko, on doit aussi le dire, ceux qui kimbuta mal menayo, ceux qui lozo combattre bateau nyonso, c'est parce que vous avez la pointance trop na Zakari Bababa, soit quand Zakari a lancé guerre contre Kimbuta, à Luka comme un gouverneur, tout ça va critiquer bien. Non, Steve. Yo si cause approche ya Zakari. Ngai nde na banda guerre na Kimbuta. Zana expliqué à tout lelo guerre yanga na André Kimbuta, juste une parenthèse parce que c'est pas ce sont des banalités c'est... mais et ça est quand même carrière c'est dans les passés c'est un parcours oui un parcours hein. Moi j'étais secrétaire du fait Daniel Boté typé à son âme na yo quoi informé bino devant caméra que Godem dissident MLC Naza dissident MLC Godem poyazo lukanga ba problème ah OK moninga na vanda nganga ba bandara ngai eh nganga koloba. Ce petit-là, il est impoli. Ce petit-là, qu'est-ce qu'il croit? Godem Poyi. Hein? Godem Poyi, Azol Lukanga a un problème. Na chevino dossier à suivre. Boyeb sa pasteur Godem Poyi. Comme il est pasteur, Amilenge la na ki pasteur na ye. Godem Poyi me cherche des problèmes. Mbon on a biso Kimbuta, na Rogen Ting, baboya kofuta mémoire ya boteti, na komeli Godem Poyi, na komeli Godem Poyi Mukanda. Na sengi to landela démarche normale afuta biso indemnité de sortie na biso en mémoire ya botete Godem Poyi bando sa nga boye. Je suis allé plus loin tout en respectant les principes na comme le chef de l'état Félix Tshisekedi ti lelo na ozwa réponse te. Ça fait un mois et demi yango na comme la chef de l'état na ozwa réponse te na lobité na yeko comme la conseiller spécial papa François Béa mais elo resalinga passé na yoki na ba couloir ya ensemble provincial na ba cabinet mususu Godem Poyi ba gino François Béa au sala yelo côté. François Bayaza a rescapé à pouvoir à Kabila. Tous les pouvoirs, il y a Fachi. Il y a peu Godem Poyi. Il y a une autorité morale, il y a FCC Kabila. Il y a peu Godem Poyi, il y a Kassayen, le coup la Fachi. Moi, je ne suis pas Kassayen. Moi, je ne vais pas entrer dans ces combats, dans ces terrains, bah, conflits, tribalo, ethnico, clanico, tous ces blagues, je ne veux pas. Godem Poyi, il y a un peu de bon à beauté, il y a un peu de bon à beauté, il y a un peu de bon à Godem Poyi. Quand je vais traiter la question à ma manière, et comme c'est un garçon qui adore les problèmes, c'est un garçon qu'est-ce qu'il croit. Bino bat boye bi Godem Poyi bobengaye. Na ki pasteur na yi. Na politique wa bandisika. Moi j'ai fait 17 ans dans la politique. Et puis Timothée le noir aza Mike Mukeba ite. Ngai naza mutu na bunda na moyi nazo bunda pe na butu. Boye bi sa pasteur Godem Poyi toko bunda na butu, ndenge bana mibale ba bunda. Parce que mbongo na biso en mémoire ya boteti sont nos droits constitutionnels. Steve, toi tu es un constitutionnaliste. Que dit la loi? Les indemnités de sortie, elles sont constitutionnelles. Godem Poyi a dit qu'on peut s'abuser d'indemnité de sortie en mémoire à Daniel Botetite. Na yé ko beta sonnette d'alarme. Bo benga Godem Poyi bo sola na yé. Pourtant on a ko fongola. Ba arme non conventionnelle et rebetama. Je serai sans état d'âme. Donc bref, na yé on a bandi conflit na Kimbuta. Taka boye na senga gen indemnité de sortie. Na komi normal. Kimbuta Boyo Yambangaye, c'est son ministre de l'Intérieur à Kouéti qui m'appelle. Je me suis déplacé dans une terre de ville. Je suis un ministre de l'Intérieur à Kouéti. C'est Wanazaki à Kouéti, conseiller politique à Kimbuta. Ouais. Avant Kota comme ministre provincial de l'Intérieur. Et là, je pense que Kanda a attaqué Kimbuta, c'est à Kouéti. Ben écoute, moi je viens de la présidence, moi je soutiens le gouverneur à l'appui du chef de l'État Kabila, l'argent à mémoire de Boteti, vous le aurez, calmez-vous. Il te parle, il te piétine, avec beaucoup, avec beaucoup de dédain. Moi, je suis fils de M. Lenoir. J'ai fait de très bonnes études. Il y a quand même respect dans la considération. Naza parmi nous, il y a des impuls que nos parents ont appris comment se défendre. Raison pour laquelle on doit apprendre à nos enfants comment se défendre. Et j'ai attaqué Kimbuta légalement au travers de courrier. Kimbuta a salangé 5 citations directes pour qu'il y ait prison. Naza l'a condamné. Kimbuta, Clément Bafiba, Goda Motemona, Gima Tondo ya finance, Gima Tondo a mukongo nde mona mamalanga. Gima Tondo aza mboka mona mamalanga. Mais Gima Tondo a futa mbongo asanga citation. Goda Motemona, il était un grand ami à ma mère. Ce qui peut obika ki copinage abo mwana. Goda Motemona un grand ami à ma mère. Mais Goda Motemona futa mbongo pour que je sois condamné. Pourquoi? Parce que j'ai réclamé mes droits. Dieu étant juste, en mémoire du fait Daniel Boteti, Nabima Saint et Sauve. C'est à partir de là. Na yeko kutana Claude Maluma. Et pas bienvenu Kindongo. Parce que bienvenu Kindongo, déjà, on a des meilleures relations. Na kouté na Claude Maluma. Claude Maluma, a dit non, Bitumbo, yozo mené, faut s'en aller à Zakari.
na yeko luka Zakari Baba c'est par politesse Zakari Baba ça bien justement yo Timothée Lenoir Claude Malouma bété langa li solo na yo za makasi petit na moni photo tambo ensemble na kati ya combat Steve zo tango étudier nga na moni ya jamais combat politique là. Moi je suis un homme, quand j'ai dit oui, c'est oui, quand j'ai dit non, c'est non. Son azaki le ko soit bon tam so mena kufa. Mais ce que vous en a lit na mutu même bao bazana bango pas trop nécessaire au niveau ya crime intellectuel na yo, tu les prends quand même ba compagnon na lit. Non, pas nécessairement, ça dépend. J'ai de bonnes relations avec comment on appelle Zakari Barabas. J'ai de bonnes relations avec qui c'est Chabani Record. Chabani Record, son père, c'était un grand ami à mon père. On a grandi au quartier Golf. Moukouba Chabani, toujours humble. C'est un père pour moi. Gabi Chabani Record, c'est un grand frère pour moi. Nabengangé en tout cas Koulou, tout bien président. C'est parce que Naza bien éduqué. J'ai des meilleures relations avec Sami Badibanga. Rien à voir parce que comme premier vice-président, Sami Badibanga m'a donné l'opportunité de travailler à la primature. Et quand j'ai travaillé à la primature, j'ai mûri davantage parce que j'ai compris le bon fonctionnement de la République, comment fonctionne la République. Et je suis resté fidèle à ma logique. J'ai soutenu Cindy Kadokolo parce que je croyais en son combat. Aujourd'hui, je suis politique indépendant. Je ne vais pas utiliser les termes kamikaze, mais moi, je suis un véritable soldat du peuple Kolegaruto Fayulu. Pour moi, si on a une nécessité, besoin, ça, je ne demande pas un franc. Je suis venu aller voir le ministre Lambert Matou. Je n'ai pas dit ça. Je suis venu aller voir le ministre Lambert Matou. La milieu de la politique, excellence, ça peut signer audience. Parce qu'il fallait quand même, qu'est-ce qui se passe avec les SMIC? Qu'est-ce qui se passe avec le travail en République démocratique du Congo? Pourquoi bah, avancer dans le domaine de travail et prévoyance sociale et aux à la stabilité? J'ai échangé avec les ministres d'État, Lambert Matou. Qu'est-ce qu'il a dit pour les SMIC en fait? Non, ce qu'il a dit pour les SMIC, ça veut dire qu'il y a un grand travail qui s'est à Oye Salami. Au moins, tout est vite à juger ma gamme de loin. Au besoin, il faut qu'on compte dans mon zindo, il y a quintessence. Il y a dossier. Tu vois bien expliciter les choses. Mais les salaires maigres des oui, Lambert Matoukou, je ne fais pas sa publicité. Ayeko trouver SMIC, Namil. J'arrive. Ayeko trouver. Tout dépend de toi. C'est ça la démocratie. Tout le monde est libre. Moi, je n'ai pas dit qu'il a échoué, il a réussi. J'avais des soupçons. J'allais traiter les questions sur le travail. Je me suis renseigné par rapport au fonctionnement politique sur Internet. Mais Dieu a fait grâce. Il m'a expliqué. Il y a un SMIC à 1630. $1. Steve, la pauvreté, on a eu tout ça. $1, est-ce que tu vas vivre là? Parce que ta fille que tu adores là, tu fais un effort chaque soir au côté alimentation. Tu ne dépenses pas moins de $10. Si tu as un SMIC, il y a $1. Quel est l'avenir? Il y a parents qui sont responsables. Lambert m'a tout comme Matisse. On a 7 750 salis, 4 dollars. Mais ce n'est pas facile. Parce que monter à SMIC, ça ne dépend pas du ministère. Ça dépend de la responsabilité du gouvernement d'une manière collégiale. Aujourd'hui, Lambert m'a tout entre parenthèses, peut-être qu'il partira. Ou soit il va rester. Au contraire, il faut garder quelqu'un qui a une vision. Non, parce il va partir parce que les gens ne veulent plus voir le gros poisson du FCC revenir. Non, le problème, hein, au sein du FCC, il n'y a pas que des démons. Au sein du FCC, il n'y a pas que Judas. On a vu ce qui s'est passé dans la Mouka. Babandara sur 10. Babandara sur 8, sur 10. Babandara 7. Balongwe 3. Ça veut dire que la politique en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo, il faut s'attendre à ça, mon cher. Le plus important, toi et moi étant intellectuels, toi et moi étant scientifiques, même si nous ne croyons plus aux professeurs, mais croyons au moins à la science. Parce que la science, c'est ça, définir ma valeur, monsieur. Moi, je te respecte, tu es journaliste, pas n'importe lesquels. Parce que le lézard Moutoumsoa, la mangue à Simili Sango. Mais toi, tu es licencié en droit constitutionnel. Ça veut dire que tu mérites du respect et de l'estime. Au moins, il licencie, on a dit, viens à yo, vous venez à la NFL, vous êtes à mon tété là, bah, le tundou là, bah, ba licence ba vie vundo ba zo ya ka licence au prof nani Jacques Njolia zo ya ko anga pe na zana ngona yote mais c'est quoi qu'est-ce qui manque ba vie wana ba propulser bisopé ba vanda le quoi ba gourou na sima ba limite. Ah, mais non, on est dispo pour ngai vraiment na commis na posa pouvoir déjà pour na accession na nous na mama ko constater ka ba ça 15 ans carrière est-ce qu'on a son na ba ambition diriger cour constitutionnelle? Non, mais les gens qui ont géré la cour constitutionnelle 15 ans de carrière, quel a été les répondants? Là, on a compris. Timothée Lenoir te compte en actualité où tu peux défendre minimum il y a une sécurité na Kinshasa précisément na monga fula. Mais n'est-ce pas la faute incombe na niveau ya commissaire général, il y a la police, il y a vu des Kinshasa général Kasson. Parce que la police est là pour sécuriser les personnes et leurs biens. Tant que tout le monde a battu, il y a un coup de faboui.
na monga fula insécurité ozonga bo insécurité tokolo banini. En fait, je n'ai pas peur du général Kasongo. Je le connais, le général Kasongo, il y a très longtemps. Moi, j'ai connu à l'époque commandant Kasongo chez les Kisimbangoy. On est entré à Fidel. Pour voir les ayats Katangé, Kisimbangoy, un vrai Mouloubakat. Je suis très proche de Kisimbangoy. Pour preuve, ma fille aînée, elle s'appelle Blessing Mwamba Kisimba le Noir. Donc, Mwamba, c'est la maman Kisimba. Kisimba papa, le Noir, Ngamo papa Naé. Donc, j'ai un lien très proche avec le Kisimbangoy. Pardon. C'est là où j'ai connu le général Kasongo. Moi, je mangeais avec papa à la paillote. Je n'ai qu'à son repas avant de pimbeni. Il n'est pas parfait. C'est quand même bon pour un officier. Les erreurs ne manquent pas. Mais ici, la question par rapport à l'insécurité dans la ville de Kinshasa, ce n'est pas le général Kasson. C'est qui? Le problème, c'est le gouverneur. Le gouverneur doit avoir une vision sécuritaire. Quelle est l'approche? L'intérieur aussi, le ministère de l'Intérieur devrait aussi. Non, le ministère de l'Intérieur, là, tu ne me parles de Ndeko Basil, mais tout sauf lui, là. Tout sauf lui. Je suis au regret de constater ce qui est fâché à regarder Ndeko Basil à l'intérieur. Quel a été le répondant? Quel a été le bilan de Basil Olongo? En tant que vice-ministre de l'Intérieur, Chadari est allé au Parlement, il est titulaire, ça veut dire avant il était vice-ministre simple. Mais là, il est vice-premier ministre en charge de l'intérieur sécurité. Qu'est-ce que Basil nous donne? On voit rien. Tout le monde a un cortège. C'est ça la politique au Congo. On ne sent pas la vivacité de Basile. L'insécurité, on doit condamner qui alors? Non, l'insécurité dans la ville province de Kinshasa. Un, on condamne d'abord le ministre national de l'Intérieur, qui est Ndeko Basile, qui ne comprend rien, qui est tout le temps dans des voyages à l'intérieur. Ce qu'il cherche, on ne sait pas. De deux, on doit commander Ngobila. Et Gentiline Ngobila, tant que gouverneur. Parce que Gentiline Ngobila, quelle est son approche? Quelle est sa lecture? Quel est son programme? Parce qu'en fait, le général Kasongo ne peut exécuter que les programmes de l'autorité politique. Qui est le gouverneur? Mais politique, il y a gouverneur. Gentiline Ngobila a 6 jeeps. Jeep, attends. Jeep Mweza, 160 000 $. Attends, on a 5 à 6 jeeps. Il est le représentant du chef de l'État partant des principes de loi constitutionnelle. J'arrive. Et le réseau Bomambo Gabilo Kouana. La décentralisation. Je ne suis pas contre la décentralisation. J'ai toujours soutenu, accompagné la décentralisation qui est un projet de loi et où tu es passé ça. À l'époque, Mouyège, que tu attaques, il était ministre non, de l'Intérieur. Je pas Mouyège, je révèle seulement. Il n'y a pas de problème. Mouyège a bien travaillé les démembrements, la décentralisation. Oui, mais il y a découpage Lélo. Parce que la République, ce n'est pas seulement Kinshasa. La République, c'est aussi les provinces. Ouais. Bah, jeune, Bazoumi, Salandeti, Bazoumi, Lukapé, bravo. Ça veut dire que, quel est le programme de Ngobila? Non, Ngobila a 5 à 6 jeeps. Je suis carburant, je suis entretien. Dis-moi, je suis concentré. Je suis patron universel. Universel, c'est. Aza patron et entreprise na Universal Security. Mais ben paiement za kuna ta vérifier. Mais na mbongo wana pe ko sala ki a évolué quand même. Papa, ben paiement za kuna. Tu sa charne trop à Gentiline. Je ma charne pas à Gentiline Ngobila. J'ai tout simplement remarqué que Kinshasa za na libabe. Kimbuta kei, mais biso Gentiline Ngobila. Gentiline il est dans les aléatoires. Yo, boya ra Jean Kimbunda apparemment. Non, Jean Kimbunda na ki pa ga été. Kimbembe. L'hôpital Zalagi na premier, l'hôpital Zalagi le 1er août. Cimetière, il y a Gombe, le cimetière à Kinshasa, ils ont géré Panan. Ils ont géré par le gouverneur. Les jeunes, ils ont bêlé très bien. Mais c'est assez honorable, les Zakari, en passant. Donc, comment on appelle Gentiline Ngobila, à quoi qu'on loue 50, 100 jeunes pendant 3-4 jours. Les jeunes, ils ont dit 10 $, ce n'est pas l'argent qui manque. Tu sais que moi, je suis allé à 8 heures pour retrouver Tombe et Papa Nanga. Nous avons retrouvé, on a 13 heures. Heureusement, bisotoza batou ya maman Marie. Non seulement bata maman Marie, mais toi un système à prophète et roi. On est un monde moro au kokogera moté. Toi un système à prophète et roi. D'intimidation. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Toza na monde à prophète et roi. Ce que nous avons explication benga fali tuna na kangi parenthèse. Ça veut dire que Gentiline Ngobila. Ouais, on comment comprendre ce que Gentiline Ngobila il devait comprendre. J'ai trouvé des familles, des autorités, des officiers, des gens qui ont géré notre République, qui ont géré notre nation. Ils tombent dans la famille Lélie pour monter en côté. Ça veut dire que, bref, on ne peut plus rester aujourd'hui, parler de Gentiline, parler de Godempoy, parler de Basile. Comme disaient les cardinals, tout ça c'est la médiocrité. Voilà. Voilà, l'actualité oblige Timothée Lenoir.
il parle trop de lui, trop spirituel, trop scientifique. Non, je ne parle pas trop de... Tu sais, quand tu dis que je parle trop de moi, tu m'exposes dans beaucoup de combats spirituels. Heureusement que je sors toujours plus que vainqueur, parce que Jésus-Christ de Nazareth est ma force. Ah. Parce que Binobo Sala, ma prière... Ça, c'est avec la précision. Hein. Non, Binobo Sala, prière écuménique au nom de Jésus. Lesquels? Parce qu'il y a Jésus et Jésus. Ouais. Tout comme chez nous, les catholiques, il y a Maria et Maria. Mais moi, je Maria suis... Maria Valencia. Voilà. Moi, je suis Timothée Lenoir Efika. Porte-parole du voyant du site Marial Nzete Kauka, là où la Vierge Marie a apparu comme étant l'Immaculée Conception, la mère du désarmement, auprès du voyant Raphaël Mingakwete. À Mingakwete. Oh, liangate. Oui, pour nous, on a posté dans beaucoup. Pour nous déranger, ma vie est belle. Tu es dans la tête. Tu es tantôt aux enseignes locaux, mais au Kenya, tu es venu à la maison. Tu es venu à la maison. Oui, pourquoi tu es venu à la maison? Je connais ma vidéo dans la loi. C'est là que tu as un ministère. Non. Non, je ne veux pas qu'on reste dans ce dossier. Non, on ne va pas rester dans ce dossier-là, s'il te plaît. S'il te plaît, avec ta permission. Avec ta permission. Hein? Et on a pris le temps de parler seulement. Non, c'est important. Ouais. Parce qu'au travers ton site, ton émission qui est très suivie, les gens vont facilement me définir qui je suis réellement. Je travaille avec Richard Mouyej, je n'ai pas besoin à d'être... Même toi, présenté à profil, déjà auprès des autorités politiques, bah, comprenant que Timothée Lenoir a 3 licences, Steve a 2 licences, Timothée Lenoir peut être comme ça, Timothée Lenoir peut être ministre de l'information. Si, entre nous, j'ai le même âge qu'Emmanuel Macron. C'est l'âge de la sagesse, c'est l'âge du pouvoir. Non, c'est un ministère, moi, c'est les PME. C'est parce que j'ai une vision par rapport aux petites et moyennes entreprises. J'ai une vision. Je ne veux pas trop parler de moi. Hein? Je ne veux pas trop faire ma pub. Mais na yebi. Steve, oui, que yo yebi. Y a un accord d'accord tout ça l'émission. Tu comprends? Toi, il est mboka. Hein? Tu sais, et l'ogezo mboka, Steve, manque à méritocratie. Parce que valeur yozanango, expérience yozanango, bah diplôme yozanango, ou l'équipe mandataire, bah ministre belé. Mais bah tous nos 10 ans d'expérience. À toi, y'a bah science infirmière, ministre. Bah, monsieur, bah, ça docteur dans le climat. Ou aza docteur dans le climat. Monsieur, ça va professeur, y'a droit des affaires dans le Japon. Mais ici, la question, elle est politique. Voilà, Timothée Lenoir, aujourd'hui l'actualité, ils ont ça la passe. Oui. FCC cache parce qu'il y a une discussion. La discussion, on a mis que 65 animateurs dans cette institution qu'on appelle le gouvernement sur le plan constitutionnel. Et dans les 65 animateurs dans le ministère, Joseph Kabila et le FCC aura 42 personnes. Et Fachi aura 23 à Okabolana Vital Kamere. Akokabola na ba François Mwamba ba lié naye akokabola na ba dissident la muko ba la nel lokola ba Frank Diongo lokola ba Kiungu wa Kumwanza lokola ba Muyambo tout le monde le fuba kabola 23 postes tandis que Kabila seul na ba colute naye bazana 42. Timothée Lenoir, analyser nos faits au peuple congolais comprendre. Aujourd'hui, on ne sait pas parler de la politique en République démocratique du Congo sans pour autant parler de la communauté internationale. Que pensent les États-Unis? Que pense la France? C'est qui veut dire? Que pense la Belgique? Je suis venu t'informer. Quel que soit le gouvernement, nous allons à une transition. Timothée, soyons sérieux, il ne faut pas rêver debout, soit, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Au moins, je suis un politique averti. Nous allons en transition. Vous l'aviez dit comme ça avec Kabila, mais elle a fini ses mandats. Non. Je n'ai rien contre Kabila. Non, je me souviens que les années, quand Kabila faisait son premier mandat, à Rossi-Lissati, deuxième mandat, aussi c'était bonus. Vous voyez que Kabila a comme esprit. Comment ça? Vous voyez que Kabila a comme esprit, raison pour laquelle tu remarqueras, Kabila a la facilité de gérer tous ces mondes-là. Quand tu entres dans le monde des esprits, c'est là où tu comprendras beaucoup de choses. Comment se fait-il quelqu'un qui n'est pas en fonction, qui n'a pas le pouvoir, visiblement, mais qui a la gestion de tout le monde, à l'exception des personnes? Ça veut dire qu'il y a un mystère, parce qu'il y a des mystérieux qui doivent exister. C'est les spirituels qui dominent les physiques. Or aujourd'hui, spirituellement, Kabila, c'était un gourou. Et c'est Kabila qui gère tout, à l'exception des liens. Je suis venu te parler comme un homme spirituel, un homme politique. Même si tu as un gouvernement, il y a 100 personnes, tu n'as aucune de la transition. C'est ce que je crains, mais c'est ce qui va arriver. Tu risques que tu aies 1 plus 4. Quand tu as la date, à l'élo. Donc, composition et gouvernement. Kabila, pas aux hommes, Kabila, spirituellement, même physiquement, a un agrément aux hommes à pouvoir. Sauf que tu n'as pas le bâtiment. Il a dit ça.
Ah non, 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 je n'ai pas la tête à ça. Le pouvoir, là je suis. Aujourd'hui, Kabila, il est à l'aise, il fait du moto, il fait du vélo, il fait du cheval, il se met à l'aise, il fait de l'ox, à zongle soukina yo. Oui, ça parce que souki moko est chiffré. Il faut déchiffrer en gros. C'est pas facile, moto bombiga à souki boy. Et ami Kumba, on ferme la parenthèse. Le plus important pour l'information, toujours qu'il y ait la transition. Quelle que soit la publication au gouvernement, toi, Nanzala, on va avoir 65 ministres. Quels seront les répondants? Quels seront les résultats? Tout ça, on a besoin de Nani, comment on appelle Steve. Ok, Nambo Kandé, tu France. Na Rwanda, ils ont combien de ministres? Si c'est trop, c'est une trentaine. France 22. France 22. Allemagne, j'apprends en Allemagne, ce qui est 16. Les États-Unis, avec la force et la première puissance mondiale, les États-Unis, si c'est 3, apparemment, c'est 30. Nous sommes les pays les plus riches du monde, les pays les plus médiocres, dirigés par les médiocres, très endettés, super endettés, même dans les cas de la PPT, même dans les cas de la pointe d'achèvement, on n'est rien, on va avoir 65 ministres. Quels seront les résultats? Zéro. 65 ministres, ils auront tous les cabinets, ils auront tous leur propre gouvernement, leur cortège, cabinet, leur cortège, tout ça, ça fait partie du budget. Les dépenses, ouais. Les finances, tu sais que va policier. Les finances publiques de la RDC respireront comment? Oui, pourquoi insécurité ça m'accasse na Kinshasa, particulièrement dans Mbokaoué? C'est parce que les militaires sont mal payés, les policiers sont mal payés. Ils ont un gars de Koliba dans la deuxième république. Tout le monde a un gros wapi, c'est comme vous. Les soldats, comment on le cabote? Soda comment on le cabéré? Soda ce sont ma mundouki. Joukou Jean-Pierre Bemba, policier à la Kakech. Joukou Jean-Pierre Bemba, tout le monde est à l'aéroport. Officiellement, il y a un Bemba, soda là qui tenait un et Zulouga de à la Kakech. C'est ça la République démocratique du Congo. Ketch, vous mettez basket. Ouais. En fait, la priorité, c'est pour dire si aujourd'hui il y a Ebola, tout le monde a gagné Ebola, on a Est. C'est pas étonnant, Ebola est à la Kinshasa. Na quand le fungo la toilette est zate, bandeko basa na poto. Ça, ce sont des grandes matières qu'il faut traiter. Quand le fungo là, je sais pas, non ça statistique, bah ça combien de familles toilettes exactes, douches exactes. Quand cocolo toilettes exactes, douches exactes. Tu t'imagines les camps présidentiels, camp tchatchi, bah dans basotang à l'école bah brique. Chef de l'État Félix Akende qu'on visite en haut. Nous sommes à un mois et demi à rentrée scolaire. Après six mois on va tomber. Je n'ai rien dit. Moi je ne fais que constater, parce que j'ai craint Naloba et Zala interpréter autrement. Voilà une des choses à la base de la République. Il y a bien ça en Mboudi et Bouma bah tout combien. Dans un pays où on ne sait pas respecter les fonctionnaires, les militaires, les enseignants, les personnels médicaux, c'est la jungle. Et aujourd'hui, on va avoir 65 ministres. Allons même à 80, même à 100 ministres. Ce n'est pas étonnant. Et puis, on va se permettre de tous se comparer à la Belgique. Capitaine de l'Union européenne, est-ce que tu as battu ou bien tu as dans mon kili vraiment? Non, les gens ne veulent pas l'ingérence. C'est ça, en fait, la Belgique. Est... Je sais que ça va déranger beaucoup de gens. Caméraman Zoumengaï, ça va déranger beaucoup de gens. Au travers de ton émission, Steve, au travers de notre site Info, Africa Info, rien ne se fera en République démocratique du Congo sans la bénédiction des États-Unis, la France et la Belgique. Et tout cela, on va interpréter, on n'est rien, on restera rien, parce qu'on est ventriote. Si on n'avait ne fût-ce que la tête, on en manque. Et bizarrement, nous manquons même le cœur. Ça veut dire qu'on ne peut qu'être géré et pas mondélé. Aujourd'hui, on injurie le Rwanda, non? Aujourd'hui, on condamne le Rwanda. Mais pourquoi le Rwanda nous gère? Vous voyez que nous sommes à Goma. Nous sommes tout autour, il y a Est. Nous bénéficions de l'Internet, il y a Ophélé, il y a Rwanda. Nous sommes à Banda Fibre Optique et Kenda. Je vais faire un procès à King et Moulumba. Autour, il y a Thomas Louaka et Kenda. Les lots, on peut s'attaquer au Rwanda. Mais écoutez, je n'ai rien contre le Rwanda. Mais la force du Rwanda, ils savent ce qu'ils font. Ils ont fermé ses portes, le Rwanda a fermé ses portes. Si finalement, ils ont fermé tous ces week-ends. Quelle humiliation. Non, pas quelle humiliation, c'est ça un État. Savoir sécuriser sa population. Ce n'est pas ce qu'on trouve ici. La sortie pour le Congo, c'est normal, mais l'entrée au Rwanda. Steve, toi, tu es un intellectuel. Tshibala dépose sa lettre de démission. Ça veut dire que quand le premier ministre démissionne, qu'est-ce que dit la Constitution? Ça veut dire que tout son gouvernement s'est démissionné. Ouais. Sur base de quel élément Oli Ilunga a commis la chef de l'État où il a démissionné? Ça, c'est un manque du respect. Aujourd'hui, on a un mbogliouana, un flouana. C'est ce qui fait que mon pays soit ce qu'il est. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas donneur de leçons. Mais je crois que devant la France, la Belgique et les États-Unis, on doit se Timothée Lenoir a fait les droits et ensemble, c'est une question piège. Timothée Lenoir doit nous expliquer en ces moments. Qui est le premier ministre en République démocratique du Congo en fonction entre Tshibala et Oli, entre Ilunga, Ilouekamba? Non, de toutes les façons, cette question, il faut la poser
à Félix. Parce que lui, il saura qui est réellement président et qui est réellement premier ministre, qui n'est pas prêt. Excusez-moi, j'ai dit à Félix, ça n'a pas de problème. C'est une question qu'il faut poser au chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Fatshi. T'as écouté maman, moi, mon loup, a vu, Fouachi, vraiment, zo, qui peut bisoter, Fouachi, à l'obagi, le peuple, d'abord, Fouayou, l'ouye, peu, à Sundoli, biso. Bon, moi, dans ce cas, maloba, y'a mémé. C'est une façon de dire que cette question, la personne qui peut mieux te donner la réponse, c'est le chef de l'État. Parce que seul le chef d'État est le garant des institutions et le magistrat suprême, celui qui a la gestion de la République. Je crois que le chef d'État est mieux placé pour Ebsa Bissot qui est premier ministre et qui ne l'est pas. Mais dis à ton vieux Tshibala, s'il faut dire à ton vieux Tshibala, s'il n'a rien à faire, il peut aller à la Fikine. La Fikine, il y a beaucoup d'espace, il peut réfléchir avec les amis de Lemba. Parce que moi aussi, j'ai grandi à Lemba. Oyo Tshibala, Azo Sala, ça veut dire qu'il a mettre le pouvoir et Fatshi en doute. Il y a un air, mon père Kabila qui est avant. Vraiment. La constitution est définis ça comme tu veux. Toi, tu es super constitutionnel. Il y a la question constitutionnelle. Il faut échapper. Il faut qu'on comment se fait-il, chef de l'État, a un premier ministre sortant qui se permet de dire B? Je ne sais pas. Alors, il faut laisser les champs parce libres. Est-ce que le nouveau premier ministre n'est pas encore investi au Parlement? Est-ce qu'il est payé aux finances publiques? Être investi ou payé, il fonctionne comment? Ça fait maintenant 3 semaines, tu as remarqué comment il est très actif. Avec quel budget? Le budget sort d'où? Il a la gestion de tous ses ministres honoraires. Ça veut dire qu'en soi, il ne peut pas seulement trop définir les choses de la manière, encore d'une manière constitutionnelle. Pour Bossa n'a raté, Steve, que la politique s'impose et la politique prime au droit en tout et pour tout. Alors politiquement, chef de l'État Fatshi a nommé Ilukamba premier ministre. Ilukamba doit comprendre que. Et puis, Tshibala tire les lois dans un cortège, il y a premier ministre, plaque à 001. Mais pour ça, là, non, remise et reprise officielle. Si vous pour Nayo, pour Tshibala, ça remise et reprise, dans Sylvestre, il faut les garder dans le Parlement. Or, attends, on va réfléchir, toi et moi. Au Parlement, il faut une session extraordinaire. Si vous session extraordinaire, il y a le budget. Mais il faut voter, il faut mettre le gouvernement il y a 65. Vous voyez que le gouvernement est aussi, ça n'a août. Oh, mais moi, je te donne l'info. Vous voyez que le gouvernement, on a l'air, tu es aussi, ça n'a moins août. Non, banga. Non, il faut te préparer. On a besoin du mot d'ordre de l'extérieur. On a besoin de l'homme blanc. Tant que l'homme blanc n'a pas défini l'avenir politique, il y a RDC. Zéro. Timothée Lenoir, la Mouka, la plateforme politique, la Mouka, Oyo, Olobara, Ozarana Posa a existé. Toyamba Kyo. Je suis allé à Lubumbashi. Fayoulou, au moins, est allé à Lubumbashi. Non, le plus dur, c'est pas Bemba. Le plus dur, c'est pas Fayoulou. Le plus dur, c'est la population. Je pose ma question. Voilà. Aujourd'hui, la Mouka a un nouveau coordonnateur. Le président a décidé un nouveau coordonnateur qui va coordonner pendant 3 mois, qui est en la personne de Jean-Pierre Bemba Gombo. Et la Mouka se porte à merveille avec les 4 signataires de la convention. Baronwana Baokumbela, Indoussa, Timothée Lenoir. Osepeli Nangweza Labomo, tous en ont satisfait. Je ne suis pas de la Mouka malheureusement. Point de vue, Nangana Evite Soré a un impact. Mais du moins, je sens et je sais. Vous avez l'idée d'opinion. Maintenant, la Mouka est vivre. Et je l'espère aussi qu'elle est vivre par rapport à l'état d'esprit à Jean-Pierre Bemba. Parce que la Mouka, la Mabouka, Moïse, c'est qui charge. Moïse a la tête ailleurs. Il est trop dans les jets, il est trop dans les affaires, des grands contrats. Nzamba, ça là est grâce à la vie. Voilà. Or, nous, aujourd'hui, on a besoin qu'il y ait du temps pour les souverains primaires. Et j'espère que Bemba va bien accélérer les choses de la manière que Bandeko et Lamouka va vivre et vivre dans l'opposition. Parce que sans pour autant être écrit, il faut être flexible. On a besoin de l'équilibre. Et dans l'équilibre, chef de l'État Azali, Félix Tshisekedi, en complicité avec les FCC, et Lamouka peut faire un accord d'opposition. Parce que nous sommes un pays démocratique. Il faut équilibrer Ezala. Et voilà. Donc, longue vie à la Mouka, plein succès dans le mandat à Jean-Pierre Bemba. Mais la question que je me pose, connaissant le fonctionnement à Bemba, est-ce que 3 mois qu'ils allaient à Moukieté? Et c'est un temps où je vais passer 2-3 mandats avant de s'en aller vision à Zanangopon à la Mouka. Mais bon, quand cela ne tienne, on va y aller au niveau présidium, ce qu'ils vont faire. Mais
Jean-Pierre Bemba, autre ça là-bas, bah réaménagement, la carte c'est MLC. Sincèrement, de toi et moi, ce n'est pas que je suis déçu, mais bon, j'ai trouvé ça pas du nouveau. Pour reconduire Kabat Bazar. À reconduire les mêmes personnes. Aussi longtemps, la carte, tu vois, jeune, basé, belé, la carte c'est MLC. Bah, jeune, on va s'impliquer. Ma case, c'est un combat à Bemba pendant 10 ans à prison. Je crois que Bemba devait un peu rajeunir, surtout les secrétariats généraux adjoints. Il fallait rajeunir à Rouen à jeune. Et puis la question qu'on se pose jusque-là, on ne sait toujours pas pourquoi Jean-Jacques Mamba a démissionné comme porte-parole du MLC. Mais il est resté membre du MLC. Déjà, CCTV, apparemment aussi suspendu, quelque chose comme ça, dans un détail. Je viens de le voir maintenant à côté de Bironi. Ah, c'est que ça va. Alors, j'aurais appris que Jean-Jacques Mamba était contre moi, Makambo Ebele, ce qui a frustré à niveau du secrétariat général. Et Jean-Jacques Mamba n'a fait que jouer à la flexibilité, il a démissionné. C'est ça. Bien qu'on l'acquise déjà qu'il est à Zanaba tête ailleurs, il attend un ministère de l'autre côté, il veut être là. C'est comme ça avec vous, les jeunes du MLC, hein, bah, dissident, bah, Yves Kissomé, bah, Timothée Fika, Germain. Quand vous avez vos idées, vous commencez à demander que la jeunesse. Non, 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 tant mort. Ne mélangeons pas les gens. Tu me mélanges avec Yves Kissomé, tu me mélanges avec Germain Kambinga. Moi, je suis Timothée Lenoir, je suis resté constant. Hein? Moi, je suis resté constant. On vous a connu grâce au MLC, c'est ton jeune. Oui, mais ça, c'est du passé, vous entre guillemets. De la même manière, alors. Non, 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 on ne parle pas de la même manière. Je suis venu seul du MLC. J'ai combattu les bons combats de la foi. J'ai gardé ma foi. je me suis retiré. Germain Kambinga, il est ce qu'il est. Yves Kissombe, il est ce qu'il est. Je n'ai jamais été débauché. J'ai quitté le MLC. Je suis allé accompagner José Makila. Mais j'ai été déçu. Je suis allé voir Kamer et on a parlé. Vital Kamerhe m'a reçu 2 semaines avant ça, le lancement officiel à UNC. J'ai été invité par Vital Kamerhe, la personne qui m'a donné l'invitation, c'était Pierre Kangoudia. Je suis dans l'histoire de ce pays. Moi, je vais écrire un livre. Raison pour laquelle je demande à Bandegobana Poto, les gens qui sont animés de bonne foi, de me soutenir. Je dois écrire un livre. Je suis trop jeune. J'ai candidaté à président s'il y a livre. Non, raison pour laquelle au moins que Bata Poto, soi-disant bah, combattant, bah, distraire Bisso. Parce qu'il ne participe pas. Bon, on va monter pour l'année. Ah, hein? Timothée, enfin, en fait, tu es où? Moi? Non, moi, je suis au ciel. Pourquoi je vais être Timothée sur terre? J'attaque même les combattants. Ah, j'attaque les combattants, oui. Parce que parmi les combattants, il y a des gens qui sont sans position. Les combattants, aujourd'hui, devaient constituer un vrai lobby pour mener un bon combat dans le sens propre. Mais qu'est-ce que nous voyons des combattants? Que l'opposition a été divisée. Il y a des ceux qui soutiennent Fachi, il y a des ceux qui soutiennent la Mouka, c'est tout à fait normal. Bon, c'est ça aussi la démocratie. Hein? C'est ça aussi la démocratie. Nous attendons des combattants, non des blablabla. Nous attendons des combattants pour élever le débat. Pour comment élever les débats, ça veut dire que créer des vrais réseaux, des vrais lobbies, ou que Kosunga, République démocratique du Congo, aller de l'avant. Nous n'avons pas besoin de combattants qui passent toute leur journée à insulter. Bofinga Fachi, il est là. Bofinga qui Kabila, il y en a changé ma moto tous les jours. Bofinga Fachi, il y en a un tapis rouge. Ah. Dans la transition, est-ce que la Mouka pose en place? On chute par là. On est en politique, tout est possible. Moi d'ailleurs, je prie Dieu dans la transition pour jouer un rôle très important. Comme ministre à PM. Ah, non, il y a un ministère à PM, mais moi je ne cherche pas beaucoup. Bosso justice. Ah, non, je n'aime pas ça. Yo, j'ai fait le trois. Tu sais, non. Politique est un monde à barranquignette. Timothée Lenoir, il faut entrer au-dedans de moi. J'ai un bon cœur, j'ai une belle âme. Naza barranquignette, naza conflictualité. Na lo barande o esengeli ko loba. Ba tu vas comprendre ranga après. Je vais te donner un exemple simple pour Nassi ça. Je ne me compare pas à Kofi Olomide, mais je suis comme Kofi Olomide. Pour Kofi Olomide, on les traite de tout. En fin de compte, on peut saquer raison. Il y a Mutabanda Bercy, Abandi Olympia, Abandi Zenith. Une façon de dire que par rapport à sa génération. Tu vois, donc par rapport à ma génération, je ne suis pas spécial, mais naïbi. Je ne suis pas un aigri, mais je n'accepte pas Oezo les Kanamboka par rapport à Makambo Ebele. Donc, nous sommes en démocratie. Pourquoi les PME? Aujourd'hui, la stabilité de l'Afrique du Sud, la stabilité de la France, le Japon, les États-Unis, c'est les PME. Il ne faut pas prendre les ministres ou les ministères du PME, les donner à n'importe qui, quelqu'un qui veut jouer au beau gosse. Non. Les PME, il faut les donner à Namoutou Aza, porteur d'une vision. Au début, PME, Zani, tu as une des Timoutou Aza dans la cabine. Voilà. Tu as la fond, on a eu à la combien? 100 dollars. Pourquoi pas tu as là, tu as moins 300, 500 dollars? Là, elle travaille seule. Si tu as accédé 300-500 dollars, elle reçoit combien de personnes? 3-4 personnes.
tu vois, et stabiliser ma mort, ça là. Bah, on va voir, on va se foutre, ils apprennent. Demain, on va réunir l'économie dans le pays. On va se permettre de faire un poids. C'est de cette manière que l'économie va se stabiliser. Voilà. Timothée Lenoir, une dernière question. De quoi l'Eliezer, ou Bété là qui sonne dans l'arme, il revient dans un bref délai à Kinshasa. Un mot par rapport à si ça. Si j'ai parlé avec Eliezer, finalement, ça m'inquiétait. Nazo komelaye azo répondre te nazo bengaye azo répondre te ezagara na souci na mawato zakanango ndenge sito mesana je ne cesse de le répéter Eliezer c'est pas mon ami Eliezer c'est mon frère. J'ai passé des moments difficiles dans la carrière politique nanga évidemment Zakari Babasso était là comme un père et c'est Zakari qui nga muta présentant Eliezer c'est Zakari Babasso. Il est là témoin honorable Zakari Babasso muta présentant nga ndeko Eliezer. Émission mi balé mi sato o ngana saliné les airs poto yé balato mesala muta fouté la ngambongo to komi wapi c'est Zakari Babasso. Donc aujourd'hui les airs a se rétabli a yisinga il y a beaucoup d'amélioration. C'est vrai il était vraiment empoisonné azo zelaka ka docteur APC Mukanda oui qui permettre ya zonga enfin a continuer combat na non seulement en tant que journaliste de la liberté mais aussi en tant que député national. Donc bonne guérison à Eliezer, je suis content, on a longuement parlé. On s'est dit ce qu'on pouvait se dire entre frères, les plus importants Zamboka. Ok, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un message très important qu'on n'a pas pu parler. Non, un message, je te remercie infiniment. Je te remercie. Bato yo bamonike na lobi mabe balimbisanga na beti mabaku na zamutu. Je ne suis pas parfait mais naïebi. Alors le quoi naïebi tika ngana la ksakoye banangai. Tamso muto. Ngana a bougie. Ngana nga bougie. Mais vieux, je suis brillant, intelligent, je peux apporter un plus dans ma vision, on peut travailler ensemble. Raison pour laquelle moi, je suis au niveau de ma partie politique. Moi, je préfère un leader comme moi, ou bien le king en aura, parce que dans la spiritualité, aura est à un niveau. Ou le king en aura, il a un moyen, il a la République comme priorité, il peut m'associer dans son combat. On va travailler ensemble afin d'aider ce peuple qui est oublié, ce peuple qui est abandonné, qui est rejeté. Et seul Dieu sait le sort du peuple congolais sera tous ok. Puissance Lilobele qui est lycée, si Timothée Lenoir va contacter vous. Oui, j'ai profité de l'occasion pour saluer M. Anissé. API, qui est un grand magazine, un magazine journalistique. Aujourd'hui, API a une grande chaîne de télévision. Félicitations à M. Anissé, coordonnateur d'API, avec la chaîne de télévision API. Nous voulons que des jeunes comme ça, bah jeunes, bah zofongola, de Gueliezer a soufflé, nga soginza mbasungi, dans les jours à venir, to komi wapi, et que comme appelle télévision, félicitations, et permettre que bah jeunes, bah sans emploi, bah zo boulot, il faut donner la chance à tout le monde. Donc voilà. Contact au PC. Mon numéro de contact, n'est pas permettre, ça veut dire que je suis au plus 243, je suis au plus 243. 84 017 55 60 plus 243 84 017 55 60. Tu peux me passer un mot, un SMS, tu peux m'injurier, je vais encaisser, tu peux me faire un compliment, je vais apprécier. Que Dieu nous garde. Mais une chose est sûre, gouvernement des 65 des 100, nous allons à une transition. Préparons-nous parce que tout le monde, cette fois-ci, on va être là. C'est bon, c'était là sa dernière parole dans le cadre de cette émission. Merci à tout le monde qui a eu l'occasion de suivre cette émission. Je vous aime tant. C'est grâce à vous que je suis Steve Kambanga. On est vraiment bien parce que ceux qui bino botalingaté, vous véhiculez message n'engani. Et puis ceux qui bar respecteront, c'est parce que botalagapi. Donc cause à nouveau maïe les messieurs botalamaraté, bah occuper opérateur. Donc c'est grâce à vous mes internautes, c'est grâce à vous bah conseiller nanga. Au papa Manuel Mandanda. Talaga n'obora mutumobwe pour n'mbongote mais un conseiller. Basé belé wana vraiment basé belé bino sur vos conseils. Vraiment merci à vous. Merci à Maël et Sadiki qui était à la réalisation de cette émission. Merci à Franck Stemai Disuka, le top manager. Merci à la grande équipe de Africa Info. Koulou Toussi à Moulex Aigle Noir les partenaires. Merci. Comme ça, Abino Lyon se posa vraiment bien. Le Père Louis-Marie de Jésus, bon séjour à Kinshasa, Sango Mokonzi. MDJ depuis Paris, donc tous mes amis qui me soutiennent, et tous les gens de l'Europe, Mère Annie, moi c'est papa qui est là, ni Marcel en Suisse. Je vous salue tous, donc comme vraiment dans Souka émission, Abisso, Kande Tolobara. Et puis, comme on l'a mis Boundela, Posomi Boundelite, Moutor Boundelo, Azate. Donc, Nan Abino, Tokuta Nimbala Sima. Bye. Ok. Tout ce que l'on a dans mon âme.
Allez, qui si? Non, non, pas quand on a maraté, il y a un sourire à Kabila. Mais il y a quand on a maraté. Et il y a mon corps vraiment. Hein? Ah, solution de Jésus, Amat. Solution est en gros. Maxi Bio Café? Nde nini les sous? Maxi Bio Café, Ezo Salamakambo, et Bélé Nanzoto Yamoto. Fongo la mémoire. C'est notre traité, faiblesse sexuelle, hémorroïde. Ok! La soupe est faible! Solution la soir! Napoléon. Tome la carne à bino yango. Force mbetu. Danger. Maxi Bio, Maxi Bio, café original. Café original. Bande ko tome la yango pour la santé na biso. Abonnez-vous massivement à Wande Source, à qui tape dans la terre, à récolter l'information et à vrai, s'il vous plaît. Donc, tout à l'heure, Afrique, il faut y a Afrique et Bimaka. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Frank Semai, Yandankala, Twende! X-Bass, Marandura.